Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se dit à tout à l'heure. Je vous like mes chéris. Votre fin du mois difficile aujourd'hui, c'est parce que pendant des années, on a considéré que vous n'étiez pas assez important en quelque sorte pour participer à notre réponse collective à la fin du monde. C'est pas possible de me demander de changer de voiture. Et vous voyez bien que le problème que nous avons aujourd'hui, la République française, qui ne permettrait pas à nos forces de police de travailler par des décisions et des changements de règles ou par des taxes, sans toujours leur apporter des solutions, en même temps que l'augmentation de la taxe, qui était dans la campagne de nombreux candidats. Ce que je veux, c'est que nos concitoyens, au moment d'acheter les voitures les plus polluantes, les logements les moins bien isolés, et que nous ayons construit avec les banques le terrorisme et la menace terroriste, les rendre concrets, accessibles aux gens. Notre nation est plus grande que chacun d'entre nous quand elle est soutenue par des gens qui ont des responsabilités. Mais elle finit, très sincèrement, mal. 40 années de malaise qui resurgissent dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC, on doit y mettre fin. Le condamner, ne jamais le valoriser. Maman, il y a une brique qui vole. Mais non, mais non. C'était pour dire à tous les collègues, là, à tous les civils, aussi les citoyens qui disent que le flashball, ça fait mal. C'est pas vrai du tout, parce que moi j'en ai la preuve ici, ça fait absolument pas mal. Hein, vous voyez, c'est une arme sublétale, je vais la tester sur moi. Voilà. Tous les gilets jaunes qui disent que ça fait mal, c'est pas vrai.